Donc, je parle de la recherche chez les Atikamek montagnais. C'est une recherche qui avait été montée dans le style des recherches que je connaissais, donc les études régionales et comparatives. Alors, ce qu'on voulait faire avec mon équipe d'étudiantes, on voulait d'abord mettre en relief la question des femmes dont on considérait qu'elles avaient été négligées dans la littérature sur les Autochtones au Québec. Et on voulait faire ressortir les différences et les similitudes entre les Montagnais et les Atikamek. Et finalement, bon, dans toutes mes recherches, j'ai autorisé mes étudiantes à travailler sur un thème, leur thème de prédilection. Alors, il y avait une de mes étudiantes qui était davantage intéressée à la culture matérielle, une autre qui était intéressée par la question de la maternité, donc des sages-femmes. Moi, j'étais intéressée par la question du changement social. C'était une recherche qui s'est très, très bien déroulée en général, sauf peut-être dans le cas d'une étudiante Innu que j'avais et que j'avais trouvé très originale d'envoyer chez les Atikamek. Elle était très intéressée, je l'ai envoyée à Opitciwan. Et ben, au retour du terrain, je pense qu'elle avait soit développer une conscience plus aiguë des tensions entre les Autochtones et les non-Autochtones. Alors, je lui demandais, mais où sont tes fiches de notes de terrain? Elle a dit, bien, ça appartient aux Autochtones, ça ne t'appartient pas. Alors, j'ai jamais eu rien en ce qui concerne Opitciwan. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Sur le coup, ça m'a bien frustrée. Mais je comprenais aussi, mais là on avait le double rôle, hein? On était étudiante au département et on est autochtone, enfin bref, ça aussi ça aide à cheminer ce genre de relations-là. Mais de toute façon, à part ce fait-là, qui peut être vu comme aussi positif, c'est une recherche qui a été très intéressante, qui a été bien accueillie dans le milieu, je crois, dans la mesure où, à l'époque, on parle des années 82-84, il n'y avait pas beaucoup de documents sur les femmes autochtones. Donc, c'est quelque chose qui est resté, c'est quelque chose qui, par exemple, les résultats de cette recherche-là ont été publiés principalement, si on accepte les mémoires de maîtrise de ces étudiantes-là, qui ont été publiées dans un numéro de recherche amérindienne au Québec qui s'appelle « Être née, femmes autochtones ». Il y avait eu un numéro avant sur les femmes, dirigé par Diane Morissette, mais on trouvait qu'il y avait encore de la place pour un autre numéro sur les femmes. Et c'est un numéro qui a été, je pense, remarqué, je ne veux pas me faire d'illusions. Et quant à moi, j'avais développé une approche, bon, je m'intéressais au changement économique, bon, particulièrement à Wemontashi, mais j'ai aussi approfondi ma connaissance de la technique des histoires de vie. Et j'ai procédé beaucoup par grâce à cette technique-là. J'ai interrogé des femmes de différentes générations, parce que je commençais à développer une approche qui montrait que, contrairement à ce qu'on entendait à l'époque, toutes les femmes sont sœurs, ce que j'avais vu au Mexique, souvent j'avais vu que la belle-mère avait une domination sur sa bru beaucoup plus forte et beaucoup plus violente que la domination de l'homme sur sa femme. Alors, je commençais à voir qu'il y avait des différences au sein d'une même catégorie sociale et ça m'intriguait beaucoup. Alors, la technique des histoires de vie m'a aidée à faire ressortir cette différence-là entre des aînés, des femmes d'âge moyen et des toutes jeunes femmes. J'ai pas eu accès aux adolescentes à cette époque-là. C'était plus difficile. En fait, plus les femmes avancent en âge, plus elles sont volubiles et moins elles sont... En tout cas, j'ai pas eu l'occasion d'interroger des femmes de moins de 20 ans. Mais c'est ce que ça a donné. Donc, ça m'a aidé à consolider cette approche régionale et consolider aussi ma connaissance ou mon maniement des techniques d'histoire de vie que je n'avais pas vraiment utilisées jusque-là. J'avais fait des entrevues, passé des questionnaires, évidemment, mais pas vraiment cette... Il y a aussi, là, ben, ici on parlait en français, chez les Atikamek, les Atikamek, sauf de la génération de 65 ans et plus, ils maîtrisent très très bien le français, souvent un français même mieux que le nôtre. Alors, j'admire ça particulièrement parce que c'est leur langue seconde. Donc, à partir de ce projet-là, j'aurais voulu développer d'autres projets avec les Autochtones du Québec, mais j'ai fait traduire les principaux articles inclus dans le numéro de recherche amérindienne, traduction en Atikamek et en Montagnais, par des Autochtones. Et j'ai fait circuler ça dans les communautés. Et je m'attendais, j'étais vraiment naïve et crédule, je pense, parce que je m'attendais à ce que ce soit accueilli, c'est formidable, et on a un retour des données sur le terrain, elle a respecté notre langue, etc. Puis on va l'inviter à faire encore plus de recherches, mais c'est pas de même que ça s'est passé. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'aller présenter moi-même ces données-là. Le projet était terminé, les traductions, on les a faites bien après, elles ont été prêtes bien après la fin du projet. Alors, j'ai pas été suffisamment, je le vois aujourd'hui, j'ai pas été suffisamment proactive, j'ai pas maintenu mes liens avec les personnes, les informateurs et les informatrices sur le terrain. J'ai attendu que le miracle se passe et ça ne s'est pas passé. Et entre-temps, comme il ne se passait rien de ce côté-là, j'avais trouvé aussi un petit peu... j'avais trouvé plus difficile de faire du terrain ici dans les communautés autochtones qu'au Mexique, finalement. Il faut dire que j'avais déjà beaucoup d'expérience au Mexique. Tout me semblait aller de soi là-bas, alors qu'ici, c'était laborieux. C'était laborieux de s'introduire dans les communautés. C'était laborieux d'entrer en contact avec les gens. En Amérique latine, les gens vivent dehors, ils vivent dans la rue, alors que là, il faut frapper aux portes des maisons. La solution pour moi, ça a été de reprendre les recherches au Mexique. Il faut dire que j'avais été entre-temps approchée, je commençais à avoir plusieurs étudiants qui venaient travailler avec moi et j'étais désormais connue davantage pour mes études au Mexique que pour mes études chez les Autochtones. Alors je supervisais des mémoires, quelques mémoires à tout le moins, sur le Mexique. Je co-dirigeais avec Yvan Breton plusieurs... Alors ça a été comme un peu naturel de retourner, de monter une nouvelle recherche qui allait se dérouler au Mexique. Entre-temps, à l'occasion d'un de mes voyages au Mexique, j'avais vu un entrefilet dans un journal qui parlait... des unités agricoles et industrielles pour les femmes de la campagne, pour les femmes rurales. Et ça m'avait frappée. Je voulais monter un projet qui toucherait les femmes et voilà que je vois cette annonce-là, puis je me dis, tiens, je pourrais essayer de voir comment l'État s'introduit auprès des communautés, auprès des populations autochtones et comment elle impose des projets de développement, parce que c'est de ça dont il s'agissait, c'était des projets de développement. Entre-temps, on avait, bon, il y avait eu en 75, je l'ai déjà dit, en 75, il y avait déjà eu l'année internationale de la femme, il y avait eu la décennie des femmes, et je m'étais rapprochée beaucoup de cette approche du développement international, mais par mon entrée, ça avait été la question des femmes. Bientôt, il y a eu il y a eu une série de conférences internationales sur les femmes, dont la conférence de Beijing en 1995. Alors, tout me conduisait dans mes études vers une approche critique du développement, parce que l'approche des femmes dans le développement a toujours été un peu, et c'est toujours posée en contrepartie aux approches de développement international. Alors, c'était ce contexte-là. J'ai monté le projet sur les unités agricoles et industrielles pour les femmes au Yucatan dans le contexte des études critiques du développement. Et c'est à partir de ce projet-là que j'ai pu développer ce qu'on appelle une expertise sur la question genre et développement, qui s'est appelée Femmes et développement, genre et développement, et qui s'appelle aujourd'hui approche de la sexospécificité. Donc, il y a là aussi des concepts qui circulent. Pour ce projet au Yucatan, qui était mon premier projet, j'avais déjà fait partie d'un projet, mais un projet dirigé par Yvan Breton. Pour ce projet-là, sur les unités agricoles et industrielles pour les femmes, là, je volais de mes propres ailes, mais je l'ai monté, encore une fois, de façon régionale et comparative. J'ai choisi 6 villages, en faisant toujours, en regardant les similitudes, mais en faisant varier au moins une caractéristique ou deux, bon, qui soit plus éloignée de la ville, moins éloignée, enfin, tout ce genre de caractéristiques-là. Et j'ai eu le très grand privilège de travailler avec des étudiantes et un étudiant, des étudiantes qui se sont révélées très, très compétentes et qui ont, je crois, presque toutes, par la suite, ils ont fait leur mémoire de maîtrise dans le cadre de ce projet-là et qui ont, par la suite, continué au doctorat. Et certaines d'entre elles sont devenues professeurs, dont une au département d'anthropologie, Manon Bouliane. Elle a fait son mémoire de maîtrise dans le cadre de ce projet et son doctorat dans le cadre d'un projet personnel dans une autre région du Mexique. Mais ça a été toutes mes équipes ont été formidables, mais celle-là particulièrement, je ne sais pas, les astres étaient bien alignés, où j'étais moi-même dans de bonnes dispositions. On a fait un travail que je pense qui a été très remarquable et qui, moi, m'a beaucoup aidée à consolider mes propres approches sur le développement. C'est à partir de ce projet-là que j'ai commencé à travailler, bon, davantage, avec davantage de conviction en économie politique, mais aussi à travailler sur ce que j'appelle trois niveaux du social, c'est-à-dire le niveau structurel, dans le cadre duquel je m'intéresse à toutes les questions, par exemple les questions de l'État, l'intervention de l'État auprès des Autochtones ou sur le terrain. Les questions de mondialisation, globalisation. On était dans une région qui était intéressante à ce niveau-là parce que dès la fin du 19e siècle, c'est une région qui était connectée sur le monde parce que c'est une région d'où provient le sisal, ce qu'on appelle localement le hennequen, mais c'est une fibre qui était exportée mondialement et à partir de laquelle on fait des câbles, donc une fibre naturelle. Et donc c'est une région rurale mais connectée sur le monde. mais qui à partir des années 60-70, a tombé en déclin dans la mesure où les fibres naturelles ont été remplacées par des fibres synthétiques à base de pétrole. Alors, il y a eu encore une petite résurgence en 73-74 quand il y a eu la crise du pétrole, mais en gros, c'est une région qui était extrêmement appauvrie, justement parce qu'elle était désormais déconnectée des marchés mondiaux qui avaient été les siens autrefois. Alors, ça nous permettait, quand on observe ce genre de phénomène-là, de processus, ça nous permet de parler de la globalisation, de la mondialisation ou de son contraire, finalement, ou de la récession. Alors ça a été le premier niveau qui m'intéressait beaucoup. C'est un intérêt qui est plutôt théorique. On ne peut pas le toucher directement, mais en tout cas, le deuxième niveau qui m'intéressait, c'était le niveau des organisations. Organisations de paysans, organisations de travailleurs, l'intervention des organisations non gouvernementales, des ONG sur le terrain ou de toute autre agence gouvernementale. Donc, on s'intéressait, dans le cadre à ce niveau-là, on s'intéressait justement à la signification qu'ont les coopératives, parce que les unités agricoles industrielles, c'était une forme de coopérative. Alors, on s'intéressait à la forme que ça prenait et la façon dont c'était accueilli par des groupes de personnes organisées. Et le troisième niveau du social, c'est le niveau qui habituellement intéresse, je pense, davantage les anthropologues, c'est le niveau de la vie quotidienne, le niveau du vécu. Alors, dans tous mes projets, désormais, j'allais me préoccuper et j'allais me déployer sur ces trois niveaux-là. À ce jour, c'est quelque chose qui structure ma pensée, qui structure mes stratégies de recherche, qui structure mes approches. C'est certain que je considère, comme je dis souvent à mes étudiants, quand on parle du chapitre de méthodologie, ce que je veux voir là, c'est pas simplement je vais faire des entrevues, je vais faire un journal de bord et puis je vais faire... C'est pas ça que je veux entendre. Ça, c'est des techniques, ça, c'est de la cuisine. Ça m'intéresse plus ou moins. Ce que je veux voir dans un chapitre de méthodologie, c'est à quel niveau du social, quelles échelles du social vont vous intéresser davantage? Comment allez-vous vous positionner par rapport à ces échelles-là? Bon, moi, j'en vois trois, mais il peut y en avoir une multitude, mais au moins, essayez de structurer votre approche selon ces différentes échelles ou ces différents niveaux. Et je conçois qu'on ne veuille pas travailler simultanément ces trois niveaux-là, mais qu'on puisse se situer au niveau de la vie quotidienne, du vécu, que ce soit les émotions, que ce soit le bien-être, etc. Je pense que les anthropologues, on est bien préparés à cela. On est bien préparés aussi à travailler sur le plan des organisations. Tout l'intérêt porté aux coopératives, à leur membership, à leurs effets sur le changement social. Bon, pour ce qui est du niveau de la structure, le niveau de... On travaille peut-être plus avec les outils de l'économie politique, peut-être, mais enfin, bref, je pense qu'on a intérêt, je crois, à camper nos projets de recherche selon ces niveaux-là et essayer de jauger à quel point on va en tenir compte. En tout cas, moi, à partir du moment où j'ai réalisé que je travaillais de cette façon-là, que je suis parvenue à le conceptualiser, ça m'a donné un peu plus d'assurance, mettons. Je parvenais finalement à mettre des concepts sur des façons de travailler. Bon, ça a été une chose. L'autre chose que j'ai pu développer à la faveur de ce projet-là, ça a été un approfondissement du concept de développement, mais aussi un approfondissement de ma critique du développement. Ce qui m'intéresse, c'est pas de faire du développement, mais c'est de développer une posture critique. Alors, j'étais toujours méfiante par rapport à ce qu'on fait à l'intérieur des projets de développement, et je considérais que l'installation des unités agricoles et industrielles pour les femmes était un projet de développement. C'est un projet de développement, un projet induit. Et ce qui m'intéressait de voir, c'était les effets de ce projet induit. Ce n'est pas un projet qui a émané de la population, c'est un projet qui a été parachuté sur la population. On le fait pour être conforme à la Constitution mexicaine qui disait qu'il fallait, en plus de l'Ejido, qui est une organisation collective de producteurs, il fallait prévoir une unité pour les femmes, c'est-à-dire un petit cadeau à côté de la structure principale. Et ça m'intéressait de voir ce que les femmes allaient faire à l'intérieur de ce cadre-là. Et il y a eu quelques histoires de succès. Il y a des femmes qui ont profité de cette structure-là pour monter des projets d'élevage de poulets, par exemple. Il y a eu une unité agricole industrielle qui a été citée comme une histoire de succès partout. C'était immense, c'était des poulaillers à n'en plus finir, et ils fournissaient... Elle fournissait la capitale en œufs, puis c'était très intéressant. Sauf que nous, ce que nous avons vu, c'est pas ces histoires de succès-là. C'était des petites coopératives qui ont imposé. Aussi, une structure imposée. Désormais, on demandait aux femmes paysannes de travailler avec une présidente, une trésorière, une secrétaire, et puis de diriger ça. Alors... Les petites communautés dans lesquelles on travaillait, ben, plus ou moins petites, mais souvent, la parenté est très, très forte. Les rapports de parenté sont très, très forts. Et au sein de ces coopératives-là, ou bien on recrutait des parentes, ou bien on recrutait des personnes qui étaient non-parentes, mais là, dans ce cas-là, les conflits commençaient. Enfin, il y a toutes sortes de clivages qui sont commencés à apparaître. De sorte que souvent, c'était pas la production, c'était pas le type de production qu'on avait choisi qui connaissait l'échec, c'était la structure même. L'organisation même de la coopérative, qui était un concept qui était relativement inconnu pour les femmes, qui s'écroulait. Alors, ce qu'on a vu, c'était très intéressant parce que ça nous a permis de voir les limites et les possibilités de projets de développement imposés, induits. J'ai continué là-dessus. J'ai eu la chance de... Bon, à l'intérieur de ce projet-là, j'ai développé cette expertise donc de critique du développement, mais aussi par le biais de l'approche genre et développement. Et grâce à cette approche-là, un ancien camarade, Pierre Durand, qui entre-temps était devenu consultant pour la Société de développement international Desjardins, m'a invité à... m'a transmis des contrats d'évaluation de projets au Nicaragua et en Colombie. Et c'est comme ça que, par la suite, je vais me retrouver sur un projet en Colombie.